Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo format vlog, puisque je vais te présenter un nouvel appartement que je lance en sous-location. Donc un appartement qui est situé, encore une fois, à 2 heures de chez moi. Donc on va tout automatiser, on va tout déléguer, bien évidemment. On va l'exploiter en courte durée, donc on va l'exploiter sur Airbnb principalement, et puis également sur Booking. Donc cet appartement, je te fais une petite présentation rapide, puis après on va parcourir les différentes pièces. Donc cet appartement, c'est un appartement de chambre, donc c'est un grand appartement. On aurait pu limite, si ça avait été pensé vraiment en location courte durée, ça aurait pu être limite un appartement qui aurait pu être configuré en 3 chambres, ça aurait été nettement meilleur, mais bon. On va déjà l'exploiter comme ça, donc 2 chambres. Donc on est en train de tout meubler dans l'appartement. Donc il y a une grande pièce de vie, tu vas voir, c'est plutôt chouette. Il est en plus en hauteur au premier étage, donc avec des places de parking en bas. Enfin, il y a une petite cour, donc on peut garer des véhicules. Plutôt bien situé, proche des stations de métro. Proche également donc des stations de bus, etc. Donc plutôt bien situé, bien configuré. Bien entendu, comme à chaque fois, on fait des prestations, donc plutôt, on va dire, haut de gamme. Donc vraiment, on met du matériel, voilà, du bon matériel et également du matériel avec une belle déco, belle décoration. Et on n'hésite pas, bien entendu, à mettre un maximum de, on va dire, de services et de produits dans l'appartement pour faire en sorte que la personne se sente vraiment bien, qu'elle ait vraiment absolument tout, qu'elle manque de rien et que derrière, voilà, ça soit vraiment quelque chose de vraiment positif. Donc là, du coup, c'est la première journée. Donc, on a commencé à livrer. Là, on a fini de terminer le montage. Donc, j'ai fait venir quelqu'un qui a monté tous les meubles. Donc, là, je vais faire voir une première partie. Et puis, après, il y aura la deuxième partie. Cette fois-ci, généralement, pour démarrer une sous-location, il faut entre 2 et 3 jours. Donc là, c'est plutôt bien parti. Je pense qu'il me suffit d'une journée supplémentaire et normalement, on devrait être bon. Voilà, donc là, du coup, je te fais voir tout de suite cette première partie et puis tu verras par la suite l'évolution à travers cette vidéo. Donc là, du coup, on est sur la première chambre. Voilà, donc ce qui est plutôt bien d'ailleurs, c'est que s'il y avait eu 3 chambres, en fait, chaque chambre a sa douche, donc son petit coin douche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça tout aussi plutôt chouette. Donc là, petite vue, voilà, hop, parce que c'est en train d'être réparé juste ici. Voilà, il y a des petits néons ici, donc ça c'est cool. Là, du coup, on a stocké nos machines à laver et sèche-linge. D'ailleurs, c'est terminé. On a fait un test, tout s'est bien passé. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est ok. Hop, voilà. Ensuite, on arrive sur la deuxième chambre. Donc, bien évidemment, ça sera pas là. Bien évidemment. Voilà. Et du coup, comme je te disais, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'à chaque fois, il y a une salle de bain qui est donc attenant directement. Donc, tout ça, bien entendu, va changer. La nouvelle décoration, des petits tapis, etc. Bien évidemment, on va décorer tout ça. Là, on va peut-être mettre un petit miroir juste ici. Voilà, bien évidemment, tout ça va être complété. Hein. Il manque pas mal de choses encore. Bien évidemment, tout ça, voilà. Là, il manque le lit qui va être livré. Voilà. On arrive ensuite sur la pièce de vie. Donc là, du coup... Donc là, il faudra mettre des petits tableaux. Voilà, petite présentation. Tac. Voilà, le canapé qui va bien. La table. Et puis, on aura donc ensuite la cuisine juste ici. Tac. Voilà. Puis là, du coup, on accède en extérieur. Voilà, donc du coup, je te retrouve dans la deuxième partie de ce vlog. La deuxième partie arrive juste après. Allez, on est parti pour notre journée. Let you walk in.
Salut, nous revoici donc dans l'étape numéro 2, dans la deuxième partie de ce vlog. Donc comme tu sais, une nouvelle sous-location, un bel et grand appartement, deux chambres. Donc là, ça y en a terminé. T'as pu voir ça sur les différentes... j'ai pas mal partagé sur mes stories Instagram. Et puis je t'ai en même temps fait une petite compilation juste avant pour que tu vois toi aussi eh bien, voilà, sur YouTube ce que ça peut donner. Donc là, on a terminé. Tu vois, on est vraiment en train de faire les photos. Je te fais voir ça tout de suite. Donc là, on est sur la pièce de vie. Voilà, on est vraiment en train de terminer. Voilà, là du coup on est sur eh bien, la pièce donc, pour déjeuner, dîner. Là on est sur la cuisine, donc tu vois, sympa avec le petit bar là, avec une petite vue sur l'extérieur. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà. Là il nous manque un siège qu'il faudra qu'on... Ça, c'est compliqué hein, sur deux jours, arriver à tout gérer sur deux jours, n'en rien oublier, c'est assez costaud. Donc on est plutôt fonctionnel, là on va démarrer, je fais l'annonce ce soir. Là je fais les photos, on démarre les réservations. Alors là j'ai éteint les lumières, c'était pas forcément une bonne idée. Donc voilà, donc, du coup on est sur la première chambre. Voilà. Là ce qui est bien c'est que tout est électrique. Tac. Ça c'est top. Voilà. Là on a de quoi ranger. Ça c'est bien. On arrive ensuite sur une première salle de bain. De toute façon tu l'avais déjà vu. Hein. Tu l'avais déjà vu. Là c'est pareil, j'ai déjà fermé le volet. Voilà. Là, donc, tout est en volet électrique. Hein. Donc ça c'est vraiment top. Voilà. Tac. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on va passer sur l'autre chambre. Voilà, on va pouvoir fermer. Tac, on arrive sur un couloir. Donc après, tu vois, ce qui est bien, c'est que là, on a vraiment machine à laver, sèche-linge. Voilà, là du coup, on a un peu de stock. On arrive ensuite ici, sur notre lieu, un peu de stockage. Voilà, d'ailleurs, je verrai peut-être pour mettre quelque chose pour fermer cette porte. Faire en sorte qu'on puisse vraiment pas y accéder, que ce soit vraiment le coin laundry. Il faut que je vois comment je vais loquer ça. Ensuite, on est sur des toilettes. Bon, là, je ne sers à rien de rentrer. On arrive ensuite sur la dernière chambre. Là, je t'illumine aussi, parce que j'ai fermé les volets. Voilà. En plus, ce qui est plutôt bien, c'est que tu en as les éclairages un peu comme ça, des plafonniers. Donc, tu vois, hop. Là, on peut, on peut allumer les petits plafonniers comme ça, chacun de son côté. Donc, ça, c'est top. Et puis là, on termine sur la dernière petite salle de bain. Voilà. Et puis là, avec la petite porte coulissante. Tac. Ça fait plutôt un... Ça donne vraiment du cachet, je trouve, à la pièce, quoi. Voilà, donc on a terminé. On va faire les photos. Enfin, je vais faire les photos, j'ai commencé. Là, je vais les terminer. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est du chauffage au sol. Donc pas de radiateur, donc du coup ça donne vraiment des grands espaces. Là on a la petite télé, donc j'ai installé Molotov comme je fais à chaque fois, connecté en Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, comme je l'ai fait voir sur une précédente vidéo, je le récupère ici avec ce petit boîtier, ce petit répartiteur, ok. Et du coup ça me permet de récupérer le signal Wi-Fi d'un autre appartement que j'ai dans la même propriété. Donc ça fait des optimisations en termes de connexion internet, donc c'est sécurisé, enfin voilà, pas de souci par rapport à ça. Donc comme je te disais, chauffage au sol, donc on est quand même sur des prestations assez assez belles. Là tu vois ici on a vraiment du voilà l'éclairage comme ça tout au long. Donc ça c'est top aussi. C'est super cosy, c'est chouette, une belle luminosité, donc franchement top. Et du coup, là, je termine les photos, mise en exploitation, je pense, ce soir ou demain matin, au plus tard. Et c'est parti, tout simplement. Reste deux, trois petits réglages à faire, deux, trois petites choses. Mais bon, c'est, tu vois, il manque des petits... on a oublié de mettre les... j'ai oublié d'acheter tout ce qui était... tout ce qui est curtain, je l'ai en anglais, je l'ai pas en français. Bref, tu m'as compris, tout ce qui se met au niveau des, voilà, ici, des,
j'ai vraiment perdu le nom. Curtain, ça se dit comment déjà? C'est donc tout ce qui est eh bien les rideaux. Ça y est, j'ai enfin trouvé les rideaux. Voilà, il faut qu'on achète des rideaux et que. Mais bon, on peut quand même lancer comme ça. Donc voilà un petit peu, là, il commence à faire chaud. Ce que je te dis, chauffage au sol. Pourtant, on s'est mis. J'ai réglé à 17, mais ça fonctionne plutôt bien, tu vois. Là, c'est bien, on a un petit variateur et tout. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc on a terminé sur cette. Voilà, je te refais voir le. Eh bien. Voilà, le petit répartiteur qui fonctionne plutôt bien. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description si tu veux l'acheter toi aussi. Voilà, le matériel, enfin voilà, le micro-ondes, etc. Le four, le réfrigérateur dans le fond là-bas. Là, on a mis une petite poubelle, voilà, qui est électrique. Donc voilà. Voilà, on a terminé. Je vais te souhaiter eh bien, à toi aussi beaucoup de succès dans tes projets, dans tes sous-locations, dans tes investissements locatifs. Beaucoup de succès parce que c'est, tu sais, c'est qu'en passant l'action et en mettant en place ce qu'on a prévu de faire qu'on peut vraiment passer à l'étape supérieure, qu'on peut avancer. C'est pas juste en regardant, il faut vraiment maintenant passer à l'action. Toi aussi, te lancer tes investissements locatifs, tes sous-locations, lancer ta conciergerie. Il faut absolument te lancer puisque... Ok, il y a un gros travail au départ, mais une fois que c'est terminé, après, c'est voilà. Une fois que c'est organisé, que c'est bien planifié, automatisé, comme je le dis souvent dans mes webconférences et dans mes formations, eh bien, ça te permet derrière d'avoir un business qui est pilotable à distance. Et c'est surtout qu'après, tu peux aller sur un autre appartement. Et plus tu auras d'appartements, plus tu vas les multiplier, plus derrière, tu vas pouvoir te créer une vraie source de revenus, te créer un vrai actif pour le coup. Et voilà, aujourd'hui, il faut absolument développer ses actifs pour pouvoir profiter entre guillemets de la vie et éviter le métro, boulot, dodo. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt pour un prochain vlog. Allez, ciao!